YouTube, aujourd'hui je me retrouve pour un wash and go avec la marque As I Am. Alors en fait il y a le site Lumi Beauty qui m'a contacté pour tester leur site en fait tout simplement. Et c'est un site où on trouve beaucoup de produits adaptés aux cheveux texturisés, donc les cheveux crépus, les cheveux frisés, les cheveux bouclés. Et on retrouve notamment la marque As I Am, il y a aussi chez Moisture, il y a aussi Cantu, enfin il y a toutes les marques spécialisées pour nos cheveux. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais faire un wash and go avec la marque As I Am. Mais avant de faire le wash and go, j'ai testé juste avant, donc c'est pour ça que mes cheveux sont mouillés, j'ai testé le masque. Donc c'est le masque qui s'appelle Hydration Elation, donc c'est Hydration Elation, je l'ai dit en français mais c'est en anglais. Donc c'est un masque qui est censé hydrater les cheveux et puis voilà, ils sont très très bon, il est très très compact, donc il y a encore du produit à l'intérieur et vous voyez, impossible de l'enlever. Donc voilà ce que ça donne, je vais tout de suite enlever ça. Donc là mes cheveux sont encore un petit peu humides, mais ils sèchent très 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 vite en ce moment. Donc voilà mes cheveux après le masque, ils ont l'air super doux. Ouais, ils sont super doux. Ouais, ils sont vraiment doux et agréables au toucher. Donc voilà, pour l'instant, je suis assez satisfaite du masque. Je l'avais testé une fois, je n'avais pas trop aimé. Et là, j'aime beaucoup. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas utiliser beaucoup de produits. Je l'avais testé une première fois, j'avais mis trop de produits et j'ai trouvé que mes cheveux étaient poisseux. Et là, j'ai utilisé la bonne quantité, pardon. Et ouais, ils sont bien là. Et en plus, ils sentent super bon. Pas besoin de parfum. Pour le wash and go, je vais utiliser le Curly Jelly. Donc la texture ressemble à celle du gel de graines de lin. Vous voyez. Assez liquide. Et ensuite, j'ai le Leave-In Conditioner. Qui est comme ça, dans une petite bouteille. Alors, on va commencer le wash and go. Mes cheveux ne sont pas encore secs, il va falloir à peu près 2-3 heures pour que vous puissiez voir le résultat final, mais pour l'instant le gel est vraiment facile d'application. J'ai l'impression que mes boucles commencent à se définir, donc pour l'instant je suis satisfaite. Donc voilà mes cheveux, là ils sont complètement secs, ça fait à peu près 5 heures qu'ils ont séché à l'air libre, donc voilà ce que ça donne. Donc je vais juste un petit peu faire ça, comme ça, ça va les permettre d'éviter que mes cheveux soient trop en mode carton. Je
J'ai un petit peu de shrinkage en fait. Je pensais que j'allais avoir plus, mais ça va. J'ai perdu à peu près ça, mais ça va. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Donc je vais prendre de l'huile d'amande douce parce que c'est la seule huile que j'ai en fait. Ouf, j'en ai trop mis. Et j'en ai renversé partout, super. Donc c'est l'huile d'amande douce qui vient de chez Aromazone. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile. D'ailleurs, moi, je suis en mode un petit peu boycottage d'Aromazone. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, un petit peu d'huile pour apporter un peu de brillance. Et voilà le résultat final de mon wash and go. Je vais juste faire en sorte que mes pointes soient un peu jolies. On a un peu secoué. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Résultat final, séchage naturel. Pas de sèche-cheveux. Parce qu'en fait, j'ai trop utilisé mon sèche-cheveux et. Ouh, petite messe qui embête tout. Et j'ai commencé à avoir du hit de mèche au niveau ici en fait. Donc en gros j'avais deux mèches qui étaient complètement lisses comme ça. Donc du coup j'ai coupé. Hein. J'ai fait tout, j'ai pas le temps. J'ai coupé comme ça. Donc là j'ai des cheveux qui sont un peu plus courts mais ça se voit pas. C'est ça l'avantage d'avoir les cheveux frisés ou les cheveux crépus, c'est quand on coupe, ça ne se voit pas. Donc voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine fois pour une autre vidéo. Peace, bye.